Trois statistiques importantes à suivre ce mardi. Tout d'abord, en Europe, il sera question d'emploi ou plutôt de non-emploi avec de 1, eh bien, le nouveau taux de chômage de la zone euro attendu en légère hausse hein, de 12 à 12,1%. Et puis de 2, l'évolution du chômage en Allemagne. Cette fois, deux chiffres plus qu'importants pour la santé économique mais aussi sociale de la zone euro. Et puis troisième et dernier chiffre important d'aujourd'hui, eh bien outre-Atlantique, ici aux États-Unis, la confiance des consommateurs sera mise à jour. Les analystes prévoient un léger mieux pour le mois d'avril avec un passage de 59,7 à 61 points.